the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Devinez qui s'est évadé. Chance qu'il s'est oublié de reboucher le trou après notre dernière évasion. C'est notre 107e évasion. 109. En comptant notre libération par erreur. C'est moi la mémoire de la famille. Et si je dis 109, c'est... À cheval, on vient. Déjà, Lucky Luke, on est à peine chaud. Ça vient de par là. Je sais, imbécile. Capture, ce sera la 107e fois. La ferme! Je suis poursuivie par des bandits. Ils en veulent à la vie du petit. J'entraîne les assassins à ma poursuite. Prenez-en soin. Je suis Joe Dalton. Justement, tout le monde vous craint. Nul ne saurait le protéger mieux que vous. Bah, je suis très méchant. Hey, je peux lui faire du mal. Confier un nourrisson à Joe Dalton, y a des gens qui doutent de rien. Un bébé, un vrai bébé. On peut le garder, Joe? Pas question, j'étais là au vautour. Mais c'est pas vrai, mais achevez-le. On dirait qu'il t'a à la bonne, Joe. Gucci, Gucci. Hey. C'est qui? Aïe. Psst. Il est parti par là. Regarde, Joe. Il t'aime. T'as de la chance que j'ai les mains pleines. Oh, c'est insupportable. Saleté. Dire qu'il y a des gens qui font des bébés exprès. Déjà 107 fois. Non, 109. Personne en veut. C'est lui qui veut pas de nous. Il t'a choisi. Il faut l'apprivoiser, comme avec les souris. Eh ben, vas-y. J'ai pas de fromage. Ok, la blague a assez duré. Ma le disait toujours, un enfant, c'est un boulet. On a déjà eu assez de mal à se débarrasser des nôtres. Allez, en route. Alors, vous venez? Mais Joe, c'est mal. Justement, faire le mal, ça fait du bien. C'est pas bien, Joe. Lucky Luke, ça serait bien, mais un bébé, c'est pas bien. On peut pas le laisser comme ça, Joe. Pense au soleil, au coyote. C'est sa seule maman, Joe. Mais dès qu'on trouve une église, on le laisse sur le pas de la porte. Une église ou une ferme? Où est le bébé? Jamais tu ne le trouveras. Tu peux me torturer, je ne parlerai pas. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce qu'on verra? Il peut pas être loin, on va le chercher. Toi, je te laisse à la fin. La soif et aux coyotes, ça t'apprendra. Ça lui apprendra quoi? Ça lui délira la langue si on l'a pas trouvé d'ici ce soir. Mmh.
Nous sommes des fermiers et nous vivons heureux. La récolte est bonne, tout va bien. Pauvre colis. Si seulement le Seigneur nous accordait un enfant. Dans les choux, comme ça, ça aura l'air naturel. Qu'on pense qu'on a été petits comme ça, nous aussi. Maintenant, à la banque. Il y a le cochon qui s'énerve. Sois pas triste, Joe. On n'a plus le lardon, mais on a les jambons. Je suis pas triste. Ils ont fait une rencontre ici, avant de repartir par là. Où les Dalton, ça va, ça vient. Connie, regarde ce que le ciel nous envoie. Un petit gars dans un chou. Tu vois, c'est bien comme ça que ça marche en fait, hein. On s'est trompé toutes ces années. Gouzi, gouzi. T'as pas faim, Joe? Non, je préfère écumer à jeun. Au fait, pourquoi il y a des gens qui en veulent à ce bébé? Sûrement une histoire d'argent. Ça, ils doivent valoir cher le trésor. Bien sûr qu'ils vont cher, des millions sûrement. On va le rechercher. C'est curieux, ils ne se sont pas directement dirigés vers une banque, comme d'habitude. Mon bébé. Ils ont oublié le biberon. On fait pas d'omelette sans piquer une poule. Elle a dû le confier à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, tu te barres pas tout seul dans le désert. Pourquoi? Bon, il faut trouver le type qui nous cherche. Les Dalton ont kidnappé votre bébé? Ils ont demandé une rançon? Non! Même pas! Un bébé de quel âge? Oh, comme ça! Ne pleurez pas, madame. Je vous le ramènerai. Nous sommes morts! Ce que le ciel donne, les Dalton reprennent. Étrange. Voilà qu'ils donnent dans le rapt d'enfants maintenant. Besoin d'un héritier à qui transmettre leurs valeurs, peut-être? Drôle d'odeur, nous. Je crois qu'il faut changer. Les changer contre quoi? Le changer de vêtements, imbécile. Allez, donne le sac. Tu sais changer les vêtements des bébés, Joe? Non, mais William sait, lui. Allez, y a que toi qui peux le toucher. Retournez-vous. On a sa dignité. Non, arrêtez. C'est vrai, c'était pas notre bébé que les Dalton ont kidnappé. On l'a trouvé dans un chou. Les Dalton, hein? Ils sont sûrement au courant de l'héritage. Il va falloir jouer serré. Le ciel nous punit d'avoir menti à Monsieur Luke. Il nous a envoyé 2 cavaliers de l'Apocalypse. Il faut dire la vérité à Monsieur Luke. Oh, pourquoi il continue de pleurer? Petit veut que tu recommences. Il a peut-être faim aussi. Tu veux pas pondre un bon coco pour le petit coco? Où est la nourriture? Pourquoi tout est vide? Crétin! Par ta faute, on doit faire des courses! Mais la nuit tombe! La poule! Y'a qu'à la traire! Où sont les pies? Y'a des
les faillots. Peut-être qu'il aime les faillots. Ça mange pas de faillots à cet âge-là, ça mange du lait. Ouais, bah il va manger des faillots comme tout le monde. Quel peut être l'intérêt des Dalton à voler l'enfant d'un couple de fermiers? Ça sent les faillots. Les Dalton? Attends-moi là, je vais voir qui c'est. Une drôle de cuillère si vous voulez partager mon repas. Non, je croyais. Il paraît que les Dalton rôdent dans le coin. Il paraît. Ils vous doivent de l'argent? Oui, enfin non, non, je veux dire, vaut mieux être sur ses gardes. Hein. Vous avez raison, prudence est mère de sûreté. Lucky Luke. Oh, le Lucky Luke des Dalton. John Smith. Smith. Bon, ben, je vous laisse. Si vous craignez les Dalton, autant rester avec moi. Non, mais bon, j'ai du chemin. Et puis, on doit tous y passer un jour, alors. Les Dalton ou autre chose. Hein. Voilà un type qui n'est pas franc du collier. Chez nous, on disait pas droit du licou. C'était Lucky Luke. Il poursuit les Dalton. S'il les trouve avant nous, c'est fichu. Retarde-le discrètement, qu'il se doute de rien. Moi, je cherche les Dalton et le môme. Qu'à cause de toi, je peux même pas les piller. On pourrait l'emmener pour son éducation. Oh, il est trop dangereux. Si ce bébé vaut de l'or, il faut pas l'abîmer. Bon, je vous attends ici. Allez faire les courses. C'est la bonne heure si vous voulez pas rater l'accueil. Oui, Joe. Et n'oubliez rien. Non, Joe. De la crème pour la petite fesse, du bidule à l'oreille. Des langes, des épingles, des... Oh, les jolies couleurs. Et moi? Et ils n'ont même pas touché la banque. Même pas tenté. Ils ont un bébé. Les Dalton se reproduisent. Non, non, rassurez-vous, c'est un kidnapping. Oh! Mais sans demande de rançon. Oh! Peut-être veulent-ils former un futur desperado? C'est une hypothèse qui fait frémir. Ah! Les Dalton! Non, les Dalton sont cinq. Lui, il est tout seul. Viens m'attraper si t'es un homme, Lucky Luke! On voudrait m'attirer dans un piège que ça ne m'étonnerait pas. Ça marche bien. Que veux-tu, vieux frère? Je suis d'un naturel curieux. Et si les Dalton reviennent? J'ai plus de crème pour les petites fesses. Ils seront furieux. Pas de panique. Peut-être passeront-ils juste à la banque. Je cherche Lucky Luke. Il vient de partir. Vous lui voulez quoi? Je suis pas le père du bébé. Nous non plus. C'est le type qui cherche le bébé. On va enfin pouvoir s'en débarrasser et se faire du fric sur ses petites fesses talquées. Allez, pleure. Faudrait peut-être salir sa couche. Fais pas la vraie, Jack. Allez, pleure. Laissez-moi faire. Regarde. Ouin ouin, fromage. Pas ouin ouin, pas fromage. On pourrait lui donner une fessée? On va pas l'abîmer, j'ai dit. Allez, pleurez-vous. J'ai dit pleurez. Oh, on dirait des pleurs de bébé. C'est bon, vous pouvez arrêter. Ça a marché. J'ai dit c'est bon. Je vais te faire du mal, Lucky Luke. Bel endroit pour un piège. Monsieur Luke. Merci pour l'escalier. Je dirai rien.
D'ailleurs, je suis sourd et muet. Ok, les Dalton. Dites-moi de payer. 100 000! Ça fait cher du kilo. 50. Mais il a une layette tricotée, ma. Regardez les petits chaussons. 75. Ok, marché conclu. Il va pas lui faire du mal, hein, Joe? On s'en fiche, on est les Dalton, on est méchants! On va pas s'attacher à un niard, tout de même! C'était notre premier enfant! Rends-moi-le! Mais... D'accord, 100 000. J'ai changé d'avis, je vends plus! Allez, dégage maintenant! Dégage, j'ai dit! J'ai rendu 75 000 $! Oui, mais t'as raison! Au prix du kilo, vaut mieux attendre qu'il soit plus grand! J'ai senti comme une impression de mou, là! Il faut trouver un docteur! Monsieur Luc! Les Dalton reviennent! Oh. Où habite le médecin? Hein? Le médecin? À la sortie de la ville. Mais dites, vous ne voulez pas attaquer ma banque? C'est une très bonne banque, vous savez! Si vous ne l'attaquez pas, les gens n'auront plus confiance! Mexicaine, tendance sieste, ou bien les Dalton sont repassés par là? Les Dalton sont en ville. Glissez votre prisonnier sous la porte. Hein? Oh, c'est un beau bébé que vous avez là. Dans les pattes! Écoute, chaque fois que je regarde ce niard, j'ai la poitrine molle, et puis un truc bizarre dans le ventre. C'est grave? Non, je dirais... une bouffée de tendresse. Oh, Joe, t'es tendre. Je suis Joe Dalton. Et je suis pas tendre. Le gilet vient ici. Il est malade. Allez, les Dalton, fin du babysitting. Tu peux tirer. Si on est blessé, on l'a docteur. Il n'en sera pas tiré avec l'enfant. On vous apprendra à respecter la tradition. Non! Espèce d'abruti! Vous n'aurez pas la peau de JR, assassin! Fort d'enfant! Monstre d'insensibilité! Allez, les frangins, rendez-vous! Bon alors, pourquoi vous intéressez-vous à ce fils de ferme? On dira rien, nous aussi on est sourds et muets! Mais pourquoi il pleure comme ça? Parce que t'es vilain! Tu vois, Junior, le monsieur, il est méchant! Il s'appelle Lucky Luke! Papa Lucky Luke, hein, Junior? Vilain! Gentil! Ça alors? Joe Dalton faisant la nounou? J'aurais tout vu. Je suis pas une nounou, je suis Joe Dalton! Donne! C'est vraiment pour qu'il arrête de nous casser les oreilles! Demain, on ira rendre ce bébé à ses parents. La dynamite sauta et le coffre s'ouvrit, dévoilant les dingos promis par la fée Winchester. C'est alors que le méchant Lucky Luke fait irruption. Monsieur Luke, c'est gentil de m'apporter un cheval. Alors je pense qu'un jour, on lui racontera des histoires de Dalton pour lui faire peur et qu'il rigolera. Et alors, c'est un précurseur! Les truands seront les héros des nouvelles générations! Je l'adresse pour la chasse! Ah, la chasse au vers de terre. Ouais! Y'a quelqu'un? On vous ramène votre bébé!
C'est pas mon bébé. Ah bon? Il est à qui alors ce bébé? À moi. Il est à moi. Monsieur Luke! Je suis pas le père de l'enfant. Bon, je sais, c'est qui alors? Monsieur Dalton! Merci, merci! Vous m'avez retrouvé, Junior! Et comment elle s'est libérée, elle? J'ai passé 24 heures sans manger, j'ai maigri de 24 kilos. Ça a desserré les liens. C'est donc vous la mère de l'enfant? Oui, oui, bien sûr! N'est-ce pas, Junior, mon chéri? Ne la laissez pas, c'est elle qui a tout combiné. Elle nous a engagés pour enlever l'enfant et a essayé de nous doubler. C'est faux! Junior, c'est le bébé à sa maman! Il n'a pas l'air de cet avis. C'est le fils de Marmaduke III, le roi du cornet de bif. Marmaduke est prêt à payer $1 million pour le revoir. Ugly Bob peut vous le dire. Qu'est-ce que je peux dire? J'allais pas partager $1 million avec ces deux imbéciles. Attention! Aïe! Ma poule de chasse! Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va pouvoir restituer cette charmante machine à brailler à son propriétaire légitime. Il faudrait réanimer sa nanny. Joe! Joe! Joe, t'es mort! Si t'es mort, dis-le nous, Joe! Junior, il pleure! Faut le changer! Il l'aime, tease, Bubba. Non, et non, je l'aime pas! C'est Joe Dalton et j'aime personne! Le petit Junior Marmaduke n'oublia jamais Joe Dalton. Et Joe Dalton n'oublia jamais non plus Junior Marmaduke. À qui tu penses, Joe? À personne! Je pense à personne! Et le premier qui me parle de Junior, je le pulvérise! I'm a poor lonesome cowboy.